Un grand cavalier du siècle dernier avait écrit « Noble cheval, j'aimerais vivre longtemps pour te chanter. J'aimerais rester là à t'admirer, libre dans la vaste prairie, et ressentir comme toi la caresse de la brise. Je suis jaloux de toi, terriblement jaloux. Nombreux sont ceux qui voudraient te caresser, t'aimer, se faire aimer de toi. J'envie jusqu'à la prairie où tu es né. Tu honores les coquelicots que tu y foules, le trèfle et le sainfoin que tu y broutes. Roi des plaines infinies, avec pour seul témoin le soleil qui chante tes louanges, tu es, crinière au vent, symbole de vie et de liberté. Révélant ta puissance, tes muscles bandés vibrent, telles les cordes d'un instrument sacré, dans l'harmonie de ton majestueux galop. Tu remplis de ferveur heureuse les cavaliers qui ne vivent que par toi. Pourquoi as-tu si vite gagné mon âme? Tu es le piédestal des rois, des grands et des puissants de l'histoire, mais tu acceptes jusqu'au plus humble des cavaliers. Nul ne te décria, tous te louèrent. Tu inspiras peintres et photographes, poètes et écrivains. Si, en de rares occasions, tu t'es mal comporté, si tu as parfois manqué de sang-froid, c'est que tu étais incompris, traité avec brusquerie, alors que seule la douceur trouve écho en ta douceur suprême. Toi, toujours fidèle au plus léger sifflement, sensible à la caresse, toujours prêt à donner jusqu'à ta vie, j'en suis témoin, pour sauver celui qui t'aimait. J'entends maintenant le son familier du galop de mes chevaux. C'est le vibrato, d'abord sourd et lointain, puis proche et intense, d'une guitare qui maintient un son, une cascade de sons, un flot d'accords. C'est un refrain en do majeur que quatre sabots rythment en cadence. Cantate du galop, inoubliable pour celui qui l'écoute. Des vies entières te sont consacrées. C'est pourquoi l'on te pleure, l'on te chante, et rien n'est trop grand pour tes louanges. Ô cheval, demi-dieu de la terre. Comment, en vérité, accueillons-nous ce don? Par une insensibilité totale, niant la profonde sensibilité du cheval. Lorsque j'ai commencé l'équitation, je faisais une confiance aveugle aux moniteurs et aux personnes plus expérimentées que moi. Et pourtant, comment ne pas prendre conscience qu'il se passe là quelque chose de très grave? Au départ, j'aimais harnacher mon cheval, comme un chevalier qui pense à monture. Mais quelle dose d'inconscience faut-il pour ne pas se rendre compte du tort que nous lui faisons? Avons-nous même oublié la sagesse antique, telle cette frise du Parthénon sculptée il y a plus de 2500 ans et représentant de jeunes gens chevauchant en toute confiance et liberté? Ou même les écrits du cavalier Xénophon? J'ai commencé par acheter tout ce qui me semblait manquer au confort du cheval. J'ai donc acheté un bon tapis de selle, un amortisseur aussi, un protège-sangle qui empêchait la sangle de meurtrir la peau du cheval, et également une sangle élastique. Fort heureusement, aujourd'hui, la quasi-totalité des cavaliers utilise ces sangles élastiques. Toutefois, j'étais toujours insatisfait. Ces maigres achats ne m'avaient finalement pas consolé. Alors que faire? Puisque personne ne semblait me montrer de voie parallèle à suivre. Alors, en définitive, j'ai enlevé la selle. L'équipement le plus facile à retirer pour la mentalité ordinaire. Cela m'a beaucoup apporté. J'ai retrouvé une connexion avec le cheval, le début du chemin que je voulais vraiment prendre avec lui. Je le sentais vivre sous mon corps.
Je ressentais ses sentiments, son souffle, ses mouvements. Mais ce n'était que le début. Je pourrais dire que la première fois que j'ai monté à cheval, c'est quand j'ai accepté de monter en liberté totale. Loin des dogmes et des préjugés, j'ai pris un cheval qui avait toujours été harnaché, seul dans une carrière. Je lui ai tout retiré et je suis monté sur lui, non sans lui avoir demandé la permission. Le résultat m'a fait monter les larmes aux yeux, car j'ai découvert là avec le cheval le compagnonnage que j'avais toujours recherché. À cet instant seulement, je me suis senti faire corps avec mon cheval. J'ai ressenti ce qu'il était. J'ai ressenti que j'étais juste. Et le cheval, lui, a été plus merveilleux que toutes les fois où il avait pu être harnaché dans sa vie. Il n'a pas cherché une seule fois à prendre avantage de la situation. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que les défenses du cheval ne sont pas dues à ses caprices ou à son refus de porter un cavalier, mais sont simplement les conséquences de la souffrance que le harnachement qu'on lui impose provoque. Lorsqu'on monte un cheval en liberté, il n'a plus rien de ses tics familiers aux cavaliers traditionnels. Il ne secoue plus la tête, il ne fait plus d'écart, il ne cherche pas à déséquilibrer son cavalier. Au contraire, il prend soin de lui. J'avais ouvert une porte vers le merveilleux. Mais il n'est pas facile de rester seul, de se sentir l'exception là où on voudrait qu'elle soit communément partagée. C'est à ce moment que je tombais sur le blog d'une jeune fille de 14 ans. Je fus émerveillé par les photos qu'elle partageait. En liberté totale, en confiance absolue. Mieux encore, elle faisait partie d'une troupe équestre de 6 personnes dans sa sensibilité. Je me hâtais de les rencontrer.
Je débutais avec elle de nombreux projets filmés, dont le point d'orgue fut la réalisation d'un court-métrage. Ce film avait pour défi de n'utiliser que des chevaux en liberté totale. Ce fut un succès absolu, un tournage empli de grâce, de magie et de beauté. Sur toute la journée du tournage, aucun cheval n'a fait le moindre écart ou tenté de prendre le large, si tant est qu'il n'y avait aucune barrière pour les empêcher de s'échapper ou de brouter paisiblement, loin de la réalisation de ce film qui devait paraître étrange à leurs yeux. Sois le bienvenu, étranger. Je n'ose le croire. Seriez-vous vraiment les... Nous sommes les dernières prêtresses d'Ona. Tu as devant toi les derniers chevaux sacrés d'Asrenior. Je croyais que vous n'étiez plus. Nous le serons toujours. Les prêtresses reviendront au retour de la royauté. Nul ne peut détruire l'âme du cheval sacré. Cela reste à jamais le fondement de notre peuple. À bientôt, sans doute. L'âme de ce pays est maintenant liée à la tienne. Puisse ma vie s'en montrer digne et mes actes vous faire honneur. Essaie de prendre soin de toi. Tu devrais aussi te trouver un cheval. Quelques années plus tard, les jeunes filles étaient devenues de jeunes femmes. Bien qu'elle n'ait pas changé à l'intérieur et gardé tous leurs rêves. J'allais retrouver l'une d'elles pour l'entendre à nouveau parler de ses chevaux. Et on a commencé à travailler tout ensemble, on montait à cheval, au début on faisait juste des balades, on montait en licol, la crue. Et puis petit à petit on a eu envie d'apprendre des choses à nos chevaux, enfin on avait vu des trucs sur internet quoi, à apprendre aux chevaux à se cabrer ou n'importe quoi. Et voilà, après on a commencé le travail en liberté, enfin, oui, vu qu'on montait déjà en école, on n'était pas trop non plus dans la dominance ou quoi, on n'était pas avec les instruments de torture ni rien, hein, mais après ouais, c'était le travail en corps de l'aide qui nous a un peu attiré le plus, donc voilà, on a commencé avec ça. Et puis chacune avec notre cheval, il fallait l'habituer, faire tout et n'importe quoi. En cordelette et pas avec des rênes quoi. Bon, au début c'est un peu compliqué, il faut faire confiance quoi. Il faut se lancer au bout d'un moment, on peut pas rester infiniment avec des rênes et une cordelette. Parfois faut tout enlever et juste commencer à travailler comme ça. Et puis soit ça marche, soit ça marche pas. Et heureusement, souvent ça marche. Les chevaux ils aiment bien aussi. Quand même travailler en cordelette en liberté. C'est aussi parce qu'on n'a jamais monté en centre équestre ou quoi et... Donc on n'avait pas vraiment de cadre, enfin j'ai l'impression qu'en centre équestre on apprend à avoir peur un peu et du coup à se mettre un cadre en mettant le mort, les rênes, la selle, monter sans selle déjà c'est presque impossible, enfin ça dépend des centres équestres bien sûr et ça dépend des gens mais c'est un peu l'idée que ça me donne quoi et vu que nous on n'a jamais connu ça, on était plus... un peu plus ouverte d'esprit du côté on essaye et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah, tant pis, on s'amuse avec nos chevaux et puis ça se passera bien quoi. On voyait moins le côté risque aussi parce qu'on nous avait pas appris non plus à avoir peur comme ça, de même de tomber ou quoi, hein. Ça nous est arrivé tellement souvent de tomber, je me souviens on faisait des balades accrues en Amazon sur trois poneys qu'il y avait avant et parfois bah,
on tombait, puis voilà, il fallait récupérer le poney, et puis on recommençait, hein, c'était pas grave, quoi. De toute façon, on se faisait jamais vraiment mal, quoi, mais... Voilà. Les gens, enfin, rien que quand ils nous voyaient en spectacle, déjà, quand on montait à cru et en licol, quoi, avec nos chevaux, les gens, ils étaient souvent très impressionnés au départ. Enfin, c'est ce qu'au micro, ils précisaient toujours aussi, qu'on était toutes jeunes, on montait sur nos chevaux à cru, en licol et tout. Nous, on trouvait ça normal parce qu'on avait toujours fait comme ça. Les morts, on en avait peut-être même pas, je sais, enfin, je me rappelle pas. Mais on n'en mettait jamais aux chevaux, on n'en voyait pas l'intérêt. Et les gens, enfin, c'était des gens parfois de 35 ans ou 40 ans, et ça faisait 10 ans ou 15 ans qu'ils montaient à cheval, et eux, ils n'étaient pas prêts de faire ça parce qu'ils avaient trop peur de faire ça, et en fait, de leurs chevaux, du coup, parce qu'ils n'ont pas la confiance de laisser le cheval travailler avec sa propre curiosité. C'est un peu ça aussi de monter en cordelette, surtout après, c'est... Voilà, si le cheval il a envie de regarder, ben il est pas coincé avec le mort dans un cadre de reine ou quoi, il a envie de tourner la tête, ben il regarde le paysage avec moi, quoi, c'est normal. Et ouais, les gens ils ont trop peur de faire ce pas-là, ils ont peur de ce que le cheval il est capable, parce que c'est sûr, hein, c'est un grand animal, et il a beaucoup plus de force que nous et tout ça, mais si, même avec un mort et même avec tout ce qu'on veut comme harnachement ou quoi que ce soit, il sera toujours plus fort que nous et il pourra toujours faire de nous ce qu'il veut. Donc autant lui laisser plus de liberté, essayer de bien s'entendre avec lui et d'être d'accord. Si ce jour-là, il n'a pas envie de faire un grand galop et de sauter des obstacles, ben on va faire autre chose. Il faut essayer de trouver l'entente un peu pour faire des choses que tous les deux on a envie de faire au même moment. Après, c'est sûr, parfois on est obligé de donner des obligations aux chevaux. Hein. Si on s'est engagé à faire quelque chose ou quoi, ben voilà, hein, c'est sûr, mais... La plupart du temps, moi, c'est ce que je faisais avec mon cheval. Je partais en balade. Si je voyais qu'il était très motivé à faire une balade, ben, même si moi, j'avais pas spécialement envie, ben, je faisais un peu un plus grand tour. Et s'il y avait un jour où il avait pas envie d'avancer et tout ça, ben, je faisais quand même un petit tour, mais je réduisais au fur et à mesure de ce que je voyais comme chemin. Et puis voilà, j'essayais, quoi. Je m'entendais avec lui et enfin, je regardais ce que je pouvais faire pour m'adapter à ses envies, comme lui s'adaptait tout le temps à mes envies, quoi. Il n'y a pas de raison pourquoi le cheval il devrait toujours s'adapter à nous et nous pas à lui, en fin de compte. C'est nous qui se servons de lui et pas l'inverse. Et c'était mon cheval et je ne le partageais pas. Il y a presque personne qui est monté sur mon cheval, vraiment. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans, je sais pas trop. Et voilà, je l'ai acheté dans un centre équestre, c'était un cheval tout banal en fait. Hein. Ouais, il était dans un centre équestre, il le vendait parce qu'il était trop difficile pour les enfants, quoi, pour les débutants et tout ça, et du coup ben il servait à rien là-bas et tout. Et ben moi je suis allée le voir et je l'aimais bien, je l'ai monté. À la base je cherchais pas vraiment un cheval pour faire du spectacle, je cherchais juste un cheval pour moi, pour pouvoir faire des balades toute seule si j'avais envie, enfin... Un cheval qui pouvait quand même se séparer des autres chevaux, quoi, parce que avoir un cheval qui essaye tout le temps de rentrer à la maison en balade ou quoi, c'est pas agréable non plus. Donc voilà, c'était surtout ça, que je puisse partir en balade toute seule, rejoindre les autres, faire une balade avec eux, puis re-rentrer toute seule après, c'était ça le but. Voilà, déjà il est arrivé ici un mois après que j'avais décidé de le prendre, et ouais, je suis montée dessus... Ouais, dans la semaine après son arrivée, quoi, je suis allée le travailler un peu et tout ça, commencer à faire connaissance réellement, parce que la première fois que je l'ai monté, c'était pas... C'est juste pour voir si c'était un cheval assez bien pour ça, mais c'était pas... Je faisais pas vraiment connaissance. Et donc là, je l'ai monté. Et en fait, moi, je lui ai mis le licol et je lui ai mis une selle qu'on m'avait prêtée. Et les rênes et tout. Et c'est que après que je suis revenue de mon petit tour à le travailler, que... je me suis rendu compte que en fait ce cheval normalement il était monté en mort, quoi, enfin avec un filet comme tous les chevaux de club, quoi. Et moi, je sans réfléchir, j'avais mis un licol, c'était ça que j'avais l'habitude avec tous les chevaux que je montais. D'habitude je mettais le licol et des rênes et c'était bon, quoi. Et puis voilà, tout s'était bien passé, hein, donc il n'y avait pas de raison non plus d'aller chercher un filet ou quoi s'il n'y avait pas besoin. Et donc voilà, et j'ai continué à le monter toujours en licol avec les rênes normal. Et petit à petit, j'ai commencé à lui apprendre à se cabrer, à se coucher, à faire la jambette. Après, plus tard, j'ai appris à donner des coups de pied.
Petit à petit, j'ai mis juste la cordelette et je gardais le licol avec les rennes. Et je partais en balade comme ça et j'utilisais la cordelette tout le temps que je pouvais. Et si je voyais une difficulté ou que j'en avais marre ou que lui en avait marre, n'importe, ben je reprenais les rennes et je refaisais comme normalement. Et souvent quand il y avait beaucoup d'autres chevaux aussi, quand on faisait une balade à plusieurs, les chevaux ils speedent un peu plus. Alors là je prenais juste l'hélicole avec les rênes, ça me faisait un trop grand risque d'un coup avec la cordelette. Et après j'ai petit à petit, quand je partais en balade toute seule, j'ai enlevé l'hélicole, je gardais l'hélicole avec moi quand même, je l'accrochais à la selle ou je passais autour de l'épaule ou n'importe quoi. Comme ça au cas où si jamais je passais sur la route ou quoi que ce soit avec les voitures, j'avais pas non plus envie de prendre des risques inutiles. Je pouvais lui remettre le licol, mais là, j'étais quand même obligée de monter sinon en cordelette. Et donc, voilà, je partais comme ça. Et parfois c'était difficile, bien sûr, surtout au galop dans un grand pré, il avait envie de continuer. Moi, si je voulais m'arrêter, ben, ça prenait un peu plus de temps, mais oui, petit à petit, il a bien compris aussi. Hein. Les chevaux, ils comprennent bien le travail en cordelette, hein. C'est pas compliqué, hein. Il faut. Voilà, si on veut aller à droite, ben on pousse le côté gauche, et si on veut aller à gauche, ben on pousse le côté droit, et c'est tout quoi. Ça n'a rien de plus compliqué. Et voilà, après je partais même plus avec le licol, parce que souvent il m'encombrait et tout ça, alors je prenais juste la cordelette, et au début j'essayais de faire des balades sans prendre la route ou quoi que ce soit, des balades autour de chez moi juste, et puis après je partais, je faisais 10 km ou plus, je partais juste en cordelette, le licol je l'amenais pas. Ça m'était égal. Lui, il avait l'habitude. Moi, j'avais l'habitude aussi. C'était, en fait, c'était pareil que de monter en licol. Parfois, c'était même mieux parce que il y avait plus la relation de confiance. Et les chevaux, ils le perçoivent très bien quand on monte en cordelette ou quand on monte en licol ou quand on monte en mort. Ils sentent très bien la différence. Ils savent qu'on leur oblige des choses. C'est un peu comme les adolescents, en fait. Quand on essaye de leur imposer des choses, de leur mettre des règles, ils vont essayer de les transgresser. Alors que quand on leur met pas trop de limites, ben tout se passe bien. Donc les chevaux c'est pareil. Il faut juste. Ben voilà, après j'ai eu de la chance quand même d'avoir un cheval qui n'avait pas trop peur des choses autour de lui. Il avait pas peur des voitures, il avait pas peur. Il pouvait y avoir un chien qui surgissait des buissons ou quoi. Voilà, au pire il avait un sursaut, mais la plupart du temps il bougeait pas quoi. C'était facile quand même. Et voilà. Du coup. Après, je faisais tout en cordelette, en fait. Même quand je partais, on partait à 2 chevaux ou 3 chevaux, bah, j'avais toujours la cordelette, et voilà. Enthousiasmé par ces idées emplies de sens, j'ai décidé de faire un aller-retour en Belgique, afin de revoir 2 amies cavalières dont le travail avec le cheval était propre à émerveiller, Mélissa et Gaëlle, avec leurs chevaux Aramis et Dixit. Pour moi, la relation avec le cheval, c'est une relation avant d'être un sport, un passe-temps ou quoi que ce soit. C'est vraiment rentrer en relation avec un être sensible et je cherche un peu la même chose dans mes relations avec les humains qu'avec les chevaux. Et comme le cheval est vraiment super sensible, pour moi, c'est facile de rentrer en relation comme ça avec lui. Donc, je suis quelqu'un de très. Pas très verbal à la base, donc j'utilise beaucoup le langage non verbal. Et avec le cheval, bah, c'est ça qui domine vraiment. Donc, c'est un langage qui est vraiment naturel pour moi et qui est plus vrai, plus subtil aussi. C'est un peu compliqué d'expliquer quand j'ai commencé, parce que j'ai un peu toujours fait ça. Donc j'ai grandi dans un manège, on peut dire, qui était fort axé là-dedans. Donc, par exemple, pendant les stages d'équitation, on n'allait pas... Il y a parfois plusieurs jours où on ne montait pas à cheval, on allait observer les chevaux, on allait rentrer en contact avec eux, etc. Et même pour moi, ça a toujours paru plus logique et plus naturel de faire ça plutôt que d'aller attraper un cheval, lui passer l'école et l'emmener comme ça. Donc j'ai un peu toujours fonctionné comme ça. Et voilà, et quand j'ai eu mes chevaux, j'ai encore poussé plus loin tout ce travail en liberté et essayé de développer ça au maximum. Voilà, pour moi c'est juste naturel et normal comme relation que je fais. Donc, au départ c'était un poulain
comme tous les poulains, donc très curieux et un peu peureux de ce qu'il ne connaît pas. Enfin, juste aller l'approcher, le mettre en confiance et puis être toujours très clair aussi avec les chevaux. Donc autant dans le oui que dans le non, jamais que ce soit clair. Quand il fait quelque chose qu'on attend, lui dire, lui faire comprendre. Et en même temps, je pense que c'est aussi important de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Comme la mère éduque son poulain, comme le père éduque le poulain aussi dans la nature. Donc pouvoir lui dire, voilà, un cheval qui nous mord ou qui vient se cabrer sur nous, lui dire non, ça c'est ma limite, ça on fait pas. Mais être très clair aussi sur le oui, c'est ça que je veux. Et sur le fait aussi de, c'est un proverbe connu en équitation, mais demander peu, récompenser beaucoup. Enfin, attends, demander souvent, se contenter de peu et récompenser beaucoup. C'est vraiment super important avec les chevaux. Il fait parfois un tout petit mouvement, un début de mouvement de jambe. Voilà. C'est ce qu'on attend. On arrête là, on dit que c'est bien et voilà, on reste là-dessus. Donc voilà, en faisant ça pendant des années, le cheval devient de plus en plus subtil et de plus en plus à l'écoute. Et donc, je sais qu'avec Aramis, j'aime bien, par exemple, si je lui fais ça, il va rester loin de moi. Si je lui fais ça, il vient et c'est un simple mouvement de doigt qui change et il a acquis la subtilité de voir la différence entre des mouvements aussi proches que ça. Donc voilà, simplement en lui demandant des choses, en étant très clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et voilà, en étant très respectueux aussi. Donc par exemple, si on est un jour où on est énervé, ne pas le faire ressentir au cheval, c'est pas de sa faute. Donc des choses comme ça, arriver à se calmer quand on est avec les chevaux, même si on a une journée stressante, on va voir son cheval. Là. Lui, il n'a rien à voir là-dedans, donc on doit être très calme quand on les approche. Et... voilà. Le cheval, mais c'est un peu... on dit que c'est un miroir de nos émotions. Donc, avec certains chevaux, par exemple, quand on a peur, il va avoir peur, il va réagir différemment, etc. Donc ça nous fait réfléchir aussi. Quand on aborde un cheval et qu'on est énervé, le cheval, il va pas être réceptif à ce qu'on nous demande, des choses comme ça. Donc ça implique beaucoup de remise en question de soi, de réflexion sur soi, sur notre état interne, je veux dire. Et sinon, au-delà de ça, c'est une amitié, donc ça m'apporte beaucoup à ce niveau-là aussi. Parfois, j'ai juste envie d'aller courir avec lui, il a aussi envie de courir, on part sur un chemin, on va courir ensemble, des choses comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai commencé à monter, la première fois que j'ai monté à cheval, c'était à l'âge de 2-3 ans. Et ça m'a tout de suite enchantée, j'en redemandais à chaque fois. Donc on a commencé les stages, mes parents m'ont inscrit à
différents stages dans différentes fermes équestres. Puis j'ai commencé les cours à l'âge de 8-9 ans. Et là, j'étais dans des manèges classiques. Et je m'y retrouvais pas forcément, mais bon, le cheval, c'était quelque chose qui m'affectionnait beaucoup, donc je continuais quand même. Et puis j'ai découvert la ferme équestre de Louvain-la-Neuve, où il y avait déjà Mélissa Couvreur qui était là dans les cours. Et c'est une ferme équestre donc, qui donne des cours d'équitation dit éthologique. Mais bon, là, on travaillait plus la relation, le positionnement et tout, donc on était accru en l'école. Et c'était le monde qui me correspondait vraiment mieux, plus proche du cheval. Il y avait beaucoup plus de sensations, on savait plus s'écouter en fait. Et donc voilà, en plus moi qui avais toujours rêvé d'être indienne, c'était parfait pour monter accru à l'école. Donc j'ai monté 3 ou 4 ans là-bas, où j'ai beaucoup appris. Déjà rien que le fait de savoir monter accru et tenir accru, parce qu'au début les gens montaient accru, mais on tombe partout. C'était vrai, c'était vrai, mais après on prend l'habitude. J'ai même plus facile maintenant à monter accru qu'en selle. En selle parfois j'ai des positions affreuses. Donc voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Et donc après ces 3-4 ans, j'ai l'impression un peu de stagner, de ne plus avancer. Faute de moi, des profs, des chevaux, je ne sais pas, mais bon voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec Mélissa de prendre des chevaux en pension. Donc on a trouvé Dancer et Dixit. Et c'est là qu'on a commencé à évoluer de nous-mêmes, à apprendre des choses à nous d'abord et après aux chevaux, quand on avait un peu plus de communication. Allez, comment dire ? À partir du moment où on avait instauré notre communication avec nos chevaux, du coup, ben voilà, on a pu avancer et apprendre des choses auxquelles on ne rêvait même pas avant. Et donc, voilà comment je suis arrivée à cette équitation qui me ressemble vraiment bien. Et en plus, dans le monde classique, il y a aussi la compétition et tout ça. Et c'est vraiment pas ce que je recherchais dans ce sport. Les gens appellent ça un sport, mais je considère ça plus comme une relation, un partage. Alors, ce que m'a apporté le cheval, on va dire ça comme ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, déjà. Et en fait, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un d'assez renfermé, qui avait un peu peur des autres, je sais pas, parce que peut-être qu'on s'était trop moqué de moi quand j'étais petite, je sais pas, mais j'avais pas trop confiance en moi. Et quand je suis arrivée justement à la ferme équestre, où là, on était beaucoup plus proche du cheval, qu'on prenait vraiment soin d'eux, et qu'on les écoutait, et qu'il y avait une relation, je sais pas par où ça a commencé, mais c'est vrai que j'ai pris une certaine confiance en moi qui m'a beaucoup aidée dans la vie tout autre qu'avec les chevaux. Et je pense que c'est cette accroche-là qui a fait que j'ai gardé cette équitation-là. Et ce rapport au cheval qui m'aide encore aujourd'hui, je le dis tous les jours, sans cheval, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je ne sais pas si je pourrais continuer à vivre sereinement si je n'avais plus ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui... Je ne sais pas comment expliquer, mais qui nous rentre dedans, j'ai envie de dire. Et qui nous transforme, qui nous laisse la possibilité d'être ce qu'on a envie d'être. Et qui nous respecte comme on est, et qui... avec qui on partage un bout de chemin, peu importe ce qu'on fait avant, ce qu'on fait après, ce qu'on pense. Voilà, il nous prend tel qu'on est pour un petit bout de chemin, dans le respect de chacun. Et c'est vraiment ça qui m'accroche beaucoup dans cette relation avec le cheval. Ouais. Pour Dix aussi, enfin Dixit pardon, donc mon cheval actuel, ça lui a aussi apporté énormément, mais c'est pas spécialement moi qui lui ai apporté en premier, parce que quand on s'est rencontrés, il était déjà mis à la façon éthologique. Mais avant ça, il était un cheval classique, pur classique. Il faisait des concours, il faisait des sauts, enfin il était voilà, un classique. Et il était tout à fait différent. Je l'ai pas connu, mais sa propriétaire me racontait que c'était vraiment un cheval vicieux. Qui aimait, par exemple, quand on était dans son box, vous coincer contre le mur, ou vous marcher sur le pied sans faire exprès, entre guillemets, ou enfin voilà, assez vicieux. Et cette façon de monter et de l'approcher, de le respecter et de l'écouter, a vraiment fait un tout autre cheval aussi. Donc je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde de pouvoir communiquer autrement en se respectant et en écoutant l'autre. Et c'est vraiment plus facile comme ça pour tout. Donc. Voilà, j'avais envie de partager ça aussi parce qu'on dit souvent que c'est pour nous, mais je pense que pour les chevaux, ils en retirent tout autant quand c'est bien fait. Ouais. En vérité, l'image du cheval elfique guidé par la pensée semble quitter le mythe pour rejoindre notre monde. Pourvu qu'un cheval soit guidé par le respect et l'amour d'un partage.
De retour en France, je décidai d'écouter un thérapeute. Christophe Dreyer est instructeur Epona, ostéopathe équin et thérapeute par le son. Et voilà, ce qu'on vient de voir là, sur cette zone-là du cheval, qui était, j'étais vraiment positionné au niveau lombaire et là au niveau organique juste en dessous, on a eu le cheval s'est d'abord contracté à chercher un arc de tension et derrière a suivi avec un relâchement. Bon là le processus s'est enclenché, on voit qu'elle réagit mais qu'elle est aussi en attente de la suite. Donc, je vais continuer tout de suite. Et voilà, là on a le cheval qui relibère sa troisième lombaire et en même temps la cinquième. Et en plus qui a relâché le dos au niveau de la 18e, c'est-à-dire la charnière thoraco-lombaire, 18e thoracique, première lombaire. Et qui chez le cheval émotionnellement, c'est la vertèbre qui correspond à la capacité à dire non. Capacité qu'on leur enlève de temps en temps en les contraignant à certains exercices. Mon parcours avec les chevaux, je suis tombé en amour des chevaux tout petit en fait, puisque dès l'âge de 2 ans, mes parents montaient à cheval et j'ai rencontré les chevaux très vite. J'ai commencé à être cavalier, à monter à cheval à l'âge de 5 ans, en centre équestre. Et puis j'ai grandi avec eux, avec mes joies, mes peines, comme beaucoup d'adolescents ont pu le faire. Et j'ai été avec les chevaux comme ça pendant jusqu'à 17 ans environ dans les centres équestres. Et à cet âge-là, j'ai plus trouvé ce que j'attendais dans les centres équestres. De là est arrivé le moment où à l'école il faut choisir le métier qu'on va faire. Et je suis allé, j'ai choisi le métier d'ostéopathe animalier. Et alors là on comprend qu'en fait il se passe bien d'autres choses et que l'ostéopathie ça se réduit pas aux os et aux articulations et aux muscles, mais qu'on va bien au-delà de ça, qu'un organe ça a sa propre mouvement, ça a sa propre énergie, ça a sa propre motilité, sa propre réaction aux émotions. Et donc je me suis posé des questions en fait quand j'ai vu une jument, j'étais à l'école à Rouen à l'époque, une jument qu'on a vu 5 ou 6 fois en l'espace de 6 mois. Et on a retrouvé à chaque fois les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ostéopathique, au niveau structurel, on retrouvait les mêmes vertèbres bloquées, dans les mêmes sens, les mêmes choses. Et donc là je me suis posé des questions, j'étais à l'école à l'époque et je me disais mais on passe à côté de quelque chose, parce que c'est pas possible que les mêmes problèmes reviennent à chaque fois. On n'a pas réglé, on n'a pas trouvé la cause originale, on n'a pas trouvé qui est à l'origine du problème, on n'a pas trouvé le bon moyen d'action, il se passe quelque chose. Et donc on peut faire une liste exhaustive que les praticiens qui s'occupent ou les personnes qui s'occupent de la jument s'en occupent pas correctement, mais ça ne nous fait pas avancer. Ce qui nous fait avancer, c'est de se poser la question qu'est-ce qui peut être changé et qu'est-ce que je peux vraiment, moi, dans mon action, trouver, quel nouvel orientation je peux donner pour trouver quelque chose. Ça m'a amené d'abord à la kinésiologie, où là je me suis allé questionner le corps un peu plus profondément que ce qu'on faisait en ostéopathie. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais fait du développement personnel pour moi dans le même temps, là au niveau corporel, c'est-à-dire au niveau yoga, au niveau méditation, sur plein d'autres types de sujets en fait, tels que le souffle, la voix. Voilà, j'en suis arrivé à découvrir avec un ostéopathe dans les Pyrénées, dans l'Ariège, Patrick Chen, qui lui m'a fait découvrir le chant diphonique. Ça a été une belle révélation pour moi parce que comprendre qu'avec le son, j'arrivais à avoir une longueur d'onde et qu'en fait, un organe, ça peut être associé à une couleur, à un son. Et en faisant le son de l'organe ou de l'énergie qu'on veut qui peut être équilibrante pour un organe ou déséquilibrante selon comment on l'utilise, on peut arriver à modifier beaucoup, beaucoup de choses en fait dans l'équilibre du cheval, dans l'équilibre corporel. Et là, j'ai pu avoir mes deux mains pour agir sur le corps du cheval, mais aussi la voix et le son avec le chant diphonique ou harmonique, des sons qui sont proches du didgeridoo en fait, pour réussir à travailler sur le corps du cheval et avoir deux moyens d'action, donc deux portes d'entrée, ça veut aussi dire deux antennes énergétiques qui sont en contact, et ça veut aussi dire deux... En fait, on décuple la force de l'action, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vite et plus profond.
Ça a été la découverte du chant diphonique. Et derrière ça, le développement personnel m'a amené un jour à rencontrer l'approche EponaQuest, qui a été créée par une femme aux États-Unis qui s'appelle Linda Kouanoff, qui a écrit plusieurs livres, dont Le Tao du cheval. Et en fait, Linda nous explique très bien avec l'approche Epona plein de solutions pour mieux gérer nos propres émotions, l'agilité émotionnelle, comment c'est vu par le cheval, comment le cheval en quatre étapes il sait gérer ses émotions, comment on peut utiliser notre propre corps. Bah, on monte tous à cheval avec notre propre corps, mais on oublie que, alors on va voir que la posture, selon différentes choses, va modifier la posture du cheval, notre propre posture, notre propre équilibre, notre propre échange avec le cheval. Et que, en fait, c'est l'image un peu du centaure, où on se retrouve avec, en fait, deux corps qui sont sur quatre pieds, qui sont les quatre sabots du cheval. Mais en soi, c'est deux corps énergétiques qui, en soi, doivent former plus qu'un ensemble pour avoir un mouvement harmonieux, fluide, et qui doit donner quelque chose de ce qu'on trouve dans la magie de certaines reprises chez certains cavaliers dans un état naturel où ils ont touché à certaines subtilités de certains mouvements. Au niveau Epona, c'est la notion de sens, donc le body scan, ce qu'on appelle body scan, c'est aller scanner son corps au niveau sensitif. Et avant qu'il se passe quelque chose avec des chevaux, on va voir des chevaux qui se déséquilibrent, et dans la subtilité du corps, si on retourne nos messages corporels avant, on va sentir que dans notre propre corps, ah tiens, il y avait une contraction à cette partie-là du corps, cette contraction, je l'ai pas écoutée, j'ai continué, puis là, j'ai perdu l'équilibre de mon cheval, j'ai perdu l'engagement de mon cheval. Et en fait, si j'écoute ce qu'il y a mon corps à ce moment-là, et que je lui demande, tiens, est-ce que peut-être tu pourrais donner une information ou écouter l'information. Alors, l'information du corps, c'est pas un scientifique, hein, il ne va pas nous faire une dissertation. Par contre, il va nous parler plus comme un artiste, un philosophe, il va nous donner des images, il va nous donner des couleurs, il peut nous donner, voilà. Donc c'est aussi cette manière-là d'écouter comment le corps peut lui-même avoir des informations et en fait retourner une forme d'intuition et comment le corps va réagir. C'est-à-dire que dès qu'on a entendu la bonne information, ben, on va voir que la sensation va elle-même diminuer, voire disparaître. Ou si on n'entend pas la bonne information, ça peut aussi augmenter, ou bien si c'est la tête qui nous parle, pas changer du tout. Pour les cavaliers, c'est vraiment... alors c'est valable pour tout le monde, parce que au niveau personnel, pour toutes les personnes qui sont dans le chemin du développement personnel, au niveau des professionnels, au niveau des entreprises, pour tout ce qui est construction d'une équipe, time building, tout ce qui est les relations de groupe, les échanges, le partenariat, le trouver sa place dans un groupe et tout ça, c'est des choses avec les chevaux, on va comprendre où c'est qu'on est à l'aise, quels sont nos points forts, quels sont nos points à améliorer. Et vraiment, face à un cheval, on est de nu devant soi-même. C'est-à-dire que l'énergie qu'on sait montrer, ce qu'on sait faire, là où on a des points forts, eh ben, ça va se voir tout de suite, parce que le cheval va nous respecter complètement. Si on n'arrive pas à monter son énergie, peut-être parce que monter son énergie, pour nous, c'est lié à la colère, c'est lié à l'agressivité, c'est lié à la violence. Et que simplement monter un crescendo, ça peut être à un moment parler juste plus fort, et c'est pas pour ça que je vais vous agresser. Mais c'est simplement savoir varier l'intensité dans notre énergie intérieure. Et ça, un cheval qui veut le faire partir au trot, si vous n'avez pas monté votre énergie ou au galop, il ne partira pas. Parce qu'il dira, mais tu n'y crois pas à l'intérieur de toi-même. Tu veux que je parte au trot, mais énergétiquement, ton corps ne me dit pas ça. Et ils vont nous demander cette cohérence, voire cette congruence, qui est la cohérence vraiment poussée entre nos actes et nos paroles et notre langage non-verbal. Christophe m'introduisit alors à deux sœurs franco-écossaises qui prenaient soin de leurs chevaux sur leur grand domaine. Autrefois cavalières classiques, elles ont totalement revu leur façon de voir le ferrage. Une méthode que l'on pourrait considérer comme archaïque si elle n'était pas si moderne. Sans même se poser la question de l'inconfort d'un morceau de métal cloué à ses ongles, il apparaît que le fer à cheval empêche le bon fonctionnement du sabot, dégrade la qualité de la corne et rend le cheval dépendant de cet artifice sans lequel il aurait développé des sabots plus sains et plus résistants. C'est quand même, il faut reconnaître que les pieds du cheval sont vivants. Et c'est ça qu'on oublie un peu avec le ferrage, que
Parce que nous aussi, on a été conditionnés, et beaucoup de gens dans le milieu équestre, que les chevaux, par exemple, les pieds du cheval doivent être froids. Et parce qu'un cheval ferré a les pieds froids, quand tout va bien normalement. Si un cheval ferré a un pied qui tu sens du chaleur, de la chaleur, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, ça, on comprend maintenant que c'est ridicule, parce que les pieds font partie du corps du cheval, et que s'ils ont une bonne circulation du sang dedans, ils devraient avoir la même température que le reste du corps. Les pieds sont pas, ils fonctionnent pas bien, vraiment depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et, il devient dépendant sur le fer. Quand on les enlève, ils ont besoin de beaucoup de temps pour refaire le. Ouais, parce que même la qualité de la corne, la corne qui pousse est moindre quand le cheval a été ferré, et ça prend beaucoup de temps, ça prend un an normalement pour que le cheval repousse tout un pied, toute la corne. Et alors quand on enlève les fers, souvent il y a beaucoup de problèmes comme des abcès, parce que les abcès sont quand les choses commencent quand le pied commence à revivre un peu, à être réalimenté en sang et avec les nerfs qui reviennent, il y a beaucoup de matière, de déchets en fait, qui doit être expulsé, parce que c'est ça qui est difficile pour les gens, parce qu'ils voient que le cheval boite un peu après, et ça peut prendre quelques mois. Et c'est même au niveau des nerfs, c'est comme nous quand on a eu les doigts gelés, si on a eu très froid, et quand le sang revient, parce que c'est ce qui se passe dans les pieds, le sang est énormément limité avec un cheval ferré, parce qu'il n'a pas l'action de pompe qu'il devrait avoir, les pieds qui se contractent à chaque fois et qui s'expandent. Alors il y a moins de circulation, quand ça revient, c'est comme nous avec les doigts, quand le sang revient, ça fait très mal, et ça fait mal aux chevaux, et les gens ils croient que il faut le référer parce que le cheval ne peut pas supporter être ferré. Oui. Et alors la patience joue énormément, mais aussi il faut aider avec par exemple les hypo-sandales si on veut monter. Les hypo-sandales peuvent donner plus de protection, plus de confort, de la protection pour la corne qui est plus fragile quand il a poussé avec une moindre circulation, et pour les parties du pied comme la fourchette qui est moins développée forcément avec un cheval ferré, parce que ça contacte pas le sol, alors c'est pas stimulé, les tissus ne sont pas développés comme il faut, même à l'intérieur du pied. Combien de chemin reste-t-il encore à parcourir pour retrouver le cheval ? Ce qui est certain, c'est qu'après des milliers d'années d'esclavage, nous sommes enfin prêts à renouer un contact véritable avec cet être si doux, si merveilleux et si conscient. Cet être si beau de cœur comme d'apparence que nous appelons le cheval. Nous nous désolons de ne pas trouver de grands sages venus d'autres mondes pour nous apprendre à retrouver l'harmonie. Pourtant, sommes-nous aveugles à ce point pour ne pas voir la lumière du cheval ? Une cavalière avait écrit : de temps en temps, les gens me disent : calme-toi, c'est juste un cheval. Ou c'est beaucoup d'attention pour juste un cheval.
Pourtant, certains de mes moments dont j'ai le plus de fierté sont arrivés grâce à juste un cheval. De nombreuses heures sont passées et ma seule compagnie était juste un cheval. Mais je ne me suis pas sentie une seule fois insignifiante. Certains de mes moments les plus tristes ont été amenés par juste un cheval. Et dans ces jours d'obscurité, le doux contact de juste un cheval me réconforte et me donne une raison de surmonter la journée. Si vous aussi, vous pensez que c'est juste un cheval, alors vous pourrez sûrement comprendre des expressions comme « juste un ami », « juste un lever de soleil » ou « juste une promesse ». Juste un cheval apporte à ma vie l'essence même de l'amitié, de la confiance et de l'amour. Juste un cheval m'apporte la compassion et la patience qui font de moi une meilleure personne. À cause de juste un cheval, je me lèverai tôt et regarderai le futur plein d'envie. Alors pour moi, et les gens comme moi, ce n'est pas juste un cheval, mais une incarnation de tous les espoirs et le rêve du futur, des tendres mémoires du passé et de la pure joie du moment. Juste un cheval fait ressortir ce qui est bon en moi et détourne mes pensées de moi-même et des soucis de la journée. J'espère qu'un jour, vous comprendrez que ce n'est pas juste un cheval. Pour autant que moi, mes chevaux me permettent de rester juste une femme. Aujourd'hui, bien loin de se limiter au grand nom de la monte en liberté, nous assistons partout à la renaissance d'une relation plus profonde et plus vraie entre l'homme et le cheval. Une légende raconte qu'il y a très longtemps, à l'aube même de l'humanité, un être très pur s'incarna sur la terre pour nous guider et nous protéger. Nous l'avons appelé Licorne. La légende raconte encore que lorsqu'une partie de l'humanité devint trop inconsciente et trop cupide, au point de vouloir chasser l'être merveilleux pour lui ravir ses pouvoirs, les licornes durent repartir, mais, nous aimant trop pour nous laisser seuls, elle invoqua un être qui pourrait poursuivre humblement leur travail, sans jamais se faire détruire par l'homme, parce qu'il lui deviendrait trop utile. Ainsi naquit le cheval. Je décidai enfin d'aborder le sujet de la communication intuitive. Alors, du coup, ce qui est amusant du coup avec cette jument, c'est qu'on retrouve vraiment une relation à l'enfance. Donc, c'est-à-dire à l'enfance d'un point de vue humain, donc les enfants, il semblerait qu'elle ait une relation qui est différente avec eux, dans le sens où ils n'ont pas la même façon d'être, pas la même façon d'être non plus avec elle. Alors c'est amusant. Tout à l'heure, donc, quand on parlait de Katia, je t'ai abordé le fait qu'elle n'était pas contrariante dans son travail. C'est-à-dire que tu lui demandes quelque chose, elle le fait. Parce qu'elle connaît son travail et par conséquent, elle fait son travail. Ce qui est amusant avec lui, c'est que ce côté-là est presque encore plus exacerbé. C'est-à-dire... C'est vraiment un cheval qui va être vraiment dans le volontariat. Les chevaux ont une façon de nous voir qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire que... Bonjour. C'est-à-dire qu'ils voient qui nous sommes réellement. Ils ne s'arrêtent pas simplement à ce qu'ils voient physiquement, ça n'a pas grande importance pour eux. Ils regardent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre n'importe quel masque,
Ils verront toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si on est énervé, si on est stressé, si on a peur, quand bien même on va mettre toute l'énergie nécessaire pour paraître à l'extérieur comme étant quelqu'un au contraire de posé ou qui a confiance, eux, ils verront toujours ce qui est véritable, ce qui est à l'intérieur. Quand j'avais 13 ans, donc, j'ai créé, avec l'aide d'une amie, donc, une association de sauvetage d'équidés. Donc j'ai commencé finalement à rentrer vraiment dans le milieu du cheval à ce moment-là, même si je montais à cheval depuis que j'avais 3 ans à peu près. Donc j'étais déjà dans le milieu, mais je l'ai abordé d'une façon différente quand j'ai eu 13 ans. J'ai commencé à me présenter un petit peu sur les forums pour travailler la communication intuitive. Donc la communication intuitive, c'est quelque chose que j'avais depuis petite, parce que je me suis toujours intéressée à ça de toute façon. Et à l'âge donc de 13-14 ans à peu près, j'ai commencé à lire des livres qui s'orientaient dans ce sens-là. Suite à ces lectures, donc, je me suis présentée sur les forums pour proposer mon aide et puis pour pouvoir m'entraîner également. C'était une forme d'échange, j'apprenais, les gens éventuellement apprenaient également de ce que je pouvais leur dire. Donc je trouvais que c'était un bon compromis finalement pour tout le monde. Et suite à quoi, donc, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand j'étais petite, je recevais des messages. Mais c'était pas du tout maîtrisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas quelque chose de volontaire qui se mettait en place, c'était vraiment juste des informations qui venaient. Et donc c'est par la suite qu'il y a eu cet apprentissage qui a conduit donc après à me proposer aux gens. Parce qu'avant cela, c'était vraiment trop flou finalement. J'avais ces informations et c'est les lectures qui finalement m'ont amené à canaliser ça pour pouvoir arriver à des conversations. C'est assez compliqué justement, oui, de s'arrêter à certaines expériences avec certains chevaux parce qu'ils sont tous tellement formidables, ils ont tous quelque chose de tellement incroyable justement à apporter qu'on ne peut pas juste s'arrêter sur un cheval et dire voilà, il y a cette expérience, mais elle est séparée des autres. Parce que finalement, c'est un ensemble. On ne peut pas en prendre vraiment une à part entière et toute seule. Et donc dans ma vie, du coup, lorsque j'avais 13 ans, j'ai rencontré un cheval qui est toujours auprès de moi aujourd'hui et qui m'a énormément appris des leçons de vie, dans le sens où c'est un cheval qu'on ne peut pas monter, c'est pas un cheval qu'on peut travailler, c'est vraiment un cheval qui est un enseignant, mais qui est un enseignant de vie, c'est pas quelque chose autre. Donc en communication intuitive, on a un dialogue, enfin un panel d'outils qui est beaucoup plus large que la conversation qui est verbale. Donc c'est différent de ce sens-là par rapport aux conversations qu'on peut avoir avec un autre humain de façon parlée, comme on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'on va avoir notre gestuelle, on va avoir notre voix, nos paroles, nos mots, etc., etc. En communication intuitive, on va retrouver la parole, mais on va également retrouver toutes les sensations, tout ce que l'on peut ressentir, tous les sentiments qu'on peut avoir à l'intérieur. On peut retrouver donc les sons, on peut retrouver les mots bien sûr, mais on peut aussi retrouver les sensations, les odeurs. On peut retrouver des mots physiques, dans le sens où on peut ressentir des mots physiques dans notre propre corps ou de façon ciblée sur le corps du cheval ou de l'animal concerné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de barrières que ce qu'on peut trouver justement dans le monde physique, dans le sens où il n'y a plus la barrière physique. C'est vraiment une connexion qui est intérieure et par conséquent les portes sont beaucoup plus largement ouvertes. Les émotions des animaux sont très semblables aux nôtres sur beaucoup, beaucoup de points. Il y a bien sûr des différences dans le sens où elles sont, on va dire, plus pures. Elles ne sont pas parasitées par un ego ou par une estime de soi importante ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils sont vrais. S'ils ont un sentiment, s'ils ont une émotion, ils ne vont pas en réprimer la nature. Ils vont l'exprimer telle qu'elle est et s'exprimer telle que cette émotion leur vient. Ils ne vont pas essayer de la camoufler ou de l'exprimer d'une manière différente sous prétexte qu'elle ne serait pas noble ou quoi que ce soit. Il n'y a pas cette barrière que les humains mettent justement parce que c'est dans les normes d'agir d'une façon et non d'une autre. Donc les chevaux et les animaux en général ont cette vérité d'être tout simplement eux-mêmes. Pour apprendre la communication intuitive, bien sûr, il y a des livres, il y a les expériences d'autres personnes, ça c'est évident, on peut s'appuyer là-dessus pour déjà se dire à nous-mêmes que c'est possible, parce que c'est déjà un grand pas en avant que de se dire que c'est possible et que ce ne sont pas simplement des idées que l'on se fait ou des rêves d'enfants que l'on peut avoir. Donc déjà, accepter le fait que c'est possible, c'est un grand pas en avant. Ensuite, on ne peut pas vraiment apprendre dans les livres. Dans les livres, ça va être des mots, ça va être des chemins qui vont nous être indiqués. Mais il n'y a que par la pratique et par une recherche en soi finalement, parce que les réponses ne sont pas à l'extérieur. C'est vrai pour la communication intuitive, mais c'est vrai pour également tout le reste. C'est-à-dire que les réponses ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Donc c'est en faisant un pas à l'intérieur que l'on peut trouver comment procéder à la communication intuitive, même si bien entendu on peut avoir des livres, on peut avoir des pistes, c'est
à l'intérieur de nous qu'il faut chercher si on veut réussir ou du moins expérimenter la communication intuitive et également dans tous les autres domaines de la vie qu'on peut connaître. Chaque individu est différent, donc il va avoir une approche qui sera différente. Même ses ressentis seront différents, c'est-à-dire que pour arriver à un résultat similaire, donc à un constat similaire, il peut passer par différentes choses. Par exemple, il y a des personnes qui vont être sensibles aux mots, donc ils vont effectivement recevoir des mots sous forme de phrases, ils vont être sensibles à ça. D'autres personnes, comme c'est mon cas par exemple, vont plutôt ressentir directement. Donc pour une douleur, plutôt que de dire ben, « c'est ici que j'ai mal », on va ressentir cette douleur à cet endroit très précis et on va avoir donc cette manifestation de douleur. Donc, dans l'apprentissage, c'est pareil, tout le monde est différent. Donc si une méthode parle à une personne, elle ne parlera pas forcément à la suivante. C'est pour ça que c'est à l'intérieur qu'il faut regarder et que même moi, si je devais dire à quelqu'un « voilà, il faudrait que tu procèdes comme ça », finalement, c'est qu'un chemin. C'est-à-dire, il peut le prendre, mais s'il sent qu'il doit faire différemment, il doit faire différemment. C'est pas parce que je dis quelque chose ou parce que les livres disent quelque chose, c'est pas parce qu'une personne semble plus expérimentée ou avoir des expériences différentes des nôtres qu'il faut forcément suivre sa voie. On peut s'en inspirer, oui, bien sûr, mais il faut toujours suivre notre propre voie, finalement, et ce qu'on nous dit à nous, à l'intérieur. Voilà. La communication intuitive s'exprime aussi sans parole, dans la magie de certaines représentations équestres. En République tchèque, le cavalier Honza Blaha a totalement exclu les enraînements de son travail avec ses chevaux. Il ne les prend plus que comme il prendrait des enfants. Et qui aurait l'idée d'apprendre à des enfants avec des laisses, des cordes et des punitions. En retour, on a l'impression que ses chevaux le suivraient jusqu'au bout du monde. Quand cesserons-nous enfin d'être un bourreau et un esclavagiste pour le cheval, pour nous envoler plutôt avec lui vers la fraternité la plus consciente? On dit que l'image la plus juste exprimant l'harmonie entre le cavalier et son cheval est celle du centaure. Je pense que nous devrions plutôt être ses ailes pour découvrir ensemble l'espace infini de nos rêves sous la forme d'un cheval ailé.